nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d'autodeterminació i d'acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya, constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà de dret democràtic i social. Era un camino trazado, marcado, explicado, además explicado en sede parlamentaria, de forma muy transparente, muy clara, no fue ninguna conspiración para ninguna rebelión. Fueron todos actos parlamentarios, actos abiertos, transparentes, e invitamos a la gente de Cataluña a ejercer un derecho que tenemos, que es el derecho a la autodeterminación. Esta nación se ha alzado para decidirlo todo, de una vez por todas y todos juntos. Nadie nos podrá parar. I think in Catalonia we clearly see an example of a form of nationalism that is fueled and reinforced by a very uncompromising and a very polarizing attitude of the central state. Y hoy lo han constatado. Sabían que el referéndum era ilegal, improcedente e imposible, pero decidieron seguir adelante y promover un verdadero ataque al Estado de Derecho y al modelo democrático sin que le importase nada ni nadie. Los estados tienen miedo. Tienen miedo no a la idea de una Cataluña independiente en sí, porque la independencia se ha habido en el pasado y va a haber en el futuro, sino Cataluña como síntoma de algo que no les gusta y que viene, que es un nuevo mundo. La musica a Bolivonia è veramente un gore di Ugam Tugor su Iji Radio, che è veramente l'inizio di una canzone grossa, di così, di un Ugam Bolivonico che ha trasmissione di Ugam Tu, ha trasmissione di noi, di lingua, si è fatta. E ora cantiamo. Ma io mi domando sempre per quale. Per quale? Perché di una storia che non è mica facile, perché i giovani, certi sono appassionati della lingua, di Ugantu, di politica in Corsica, ma certi se ne fottono.
et d'un peccato, hein, perché la lingua è un cougant, si muore, è un nemico normale. Il problema è che la cultura, la lingua, non è mica riconosciuta dallo Stato francese, ed è quello il problema, la lingua si muore. Allora no, per noi la Corsica non è mica francese perché la storia lo mostra. Voglio dire che ciò la sape che nel 1755 la Corsica è diventata Corsa, era un Stato democratico, la prima costruzione democratica di un mondo. E la Francia ha conquistato la Corsica in quell'arme, nel 1769. Donc, d'abord, sur Yorno, on ne pourrait mica dire que la Corsica est française. Si, est française dans le piano politico, dans la carte, est française. Mais pour nous, la culture est sfarenta, la lingua est sfarenta. Donc, on ne pourrait mica dire que la Corsica est française. Et nous, pouvons di salvar ciò che ferma di la Corsica, la nostra lingua, la nostra cultura, la nostra storia. E così, di una maniera di campare, di un ideale che noi corsi vogliamo far campare e soprattutto trasmette. Di una sortita con gli amici, della natura, di una maniera di campare. Per me una vita senza caccia non si può manco pensare. È così che la si passa qui in Castagniccia, tutti i giorni, quasi tutti sono qui e facciano come me, come ho fatto io, come facciano tutti. Siamo tutti nella macchia e la tranquillità. Lo spirito siamo liberi, di libertà, non si può mica dire così, non si può mica dire. C'è la campana. Souvent conquise et jamais soumise. La Corse, c'est simple stata un'entità, una forza, come dice radio, la libertà, un corso, un po' di gamba che è libero. Se non è libero, un corso non può mica campare. Non è mica possibile di campare sotto una bandiera francese, una bandiera spagnola, una bandiera inglese. Non possiamo mica campare così. Abbiamo la nostra bandiera e ci sarà sempre questa. Sarà sempre la nostra bandiera, la bandiera corsa, la nostra vita, la nostra Corsica, la nostra terra. Ecco. Qui correspondent nous à ces existences qui. Les rites qui correspondent nous à ces existences qui sont quelli d'une gestion de la fiscalité, une gestion de l'éducation, une gestion de la politique et linguistique, une gestion de la relation avec d'autres gouvernements du Méditerranée ou en Europe, non appareti culturels importants qui définissent nous l'identité collective du peuple corse. Thank you.
il 2015, quando abbiamo vinto la lezione, è stato come un speso di terremoto in Corsica a livello politico, che era la prima volta che i nazionalisti avevano accesso alle responsabilità politiche così alta, prima volta nella storia contemporanea di un movimento nazionale. Due anni dopo c'è stata una fusione di tre collettività in Corsica, di due anziani dipartimenti di Corsica e di collettività territoriale, per una collettività unica. Nel 2017, a fine del 2017 di dicembre, è molto la lezione con una maggiorità assoluta, quasi 60% di voti, ciò che in democrazia è un affarrone per un partito di una nomica mezzi tremendi. E qui noi aspettavamo invece dal governo francese, mica che il governo francese ci desse accesso a tutte le nostre rivendicazioni tali e quali perché abbiamo vinto la lezione, ma pensavamo che in democrazia, quando un'assemblea era eletta democraticamente, si poteva discorrere con il governo centralista in Parigi, per dire noi abbiamo vinto la lezione, non c'è un programma, volevamo discorrere di questo programma qui con Bosco. C'est très frustrant comme mandat parce qu'on n'arrive pas à échanger des idées. C'est le nationalisme et les idées, elles sont, c'est ça et ce n'est rien d'autre. Sauf que non, la Corse, il n'y a pas que des nationalistes en Corse. Et l'avenir de la Corse, pour moi, c'est d'une importance majeure qu'elle reste dans la République. La Corse est quand même fragile et ce qu'on doit aussi penser, c'est que nous sommes la région la plus pauvre de France, avec pratiquement 20% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Et c'est des statistiques, c'est 4 adolescents sur 5, c'est énorme pour une île comme la Corse, où c'est sûr, il fait bon vivre, on ne voit pas tout ça quand on est... quand on vient en vacances, mais c'est une île qui est quand même dont les habitants ont vraiment besoin de la France pour continuer, pour bâtir peut-être un avenir différent, plus autonome, mais ça se fait ensemble de toute façon. Francia es el modelo de Estado centralizado y jacobino por excelencia, pero últimamente en Córcega, como sabemos, los nacionalistas han ganado peso. Córcega es una periferia débil, si se quiere, no es equiparable a lo que puede ser Cataluña dentro de España, ¿no? Se comprende que el Estado francés, si no cambia su política, esa será la única solución. No vamos a, hoy, mener una guerra contre l'armée française, nous n'avons pas les moyens militaires, nous n'en avons plus besoin. Nous avons aujourd'hui une majorité des Corses avec nous. Il faudra faire descendre cette majorité dans la rue et déclarer notre indépendance si l'État français ne reconnaît pas nos droits. En Corse, nous avons une histoire qui nous est particulière, une mentalité qui nous est particulière. Il ne faut pas imaginer qu'on est français, rien à voir avec la France. On a 10 700 ans de présence humaine en Corse, et sur ces 10 700 ans, la présence française se résume à 250 ans. C'est une goutte d'eau dans l'histoire de la Corse. Alors, tout le monde pense à aller en città, pour camper, pour jouer, pour faire. Non, au minimum. La nature. La nature, l'animal et nous. Et dopo si può campare così, e io campo così, sempre. La natura in Corsica face parte da noi. Se non c'era natura in Corsica non c'era niente.
et on lance toutes aux courses. Voilà. Et sont plus autonomistes que nationalistes, parce que nationalistes, eh ben, mais sans alarme. Indépendantistes, eh ben, sans alarme. Sont mica pas à lutter mal, parce que c'est une autre manière de faire avancer la foire. Parce que, avec l'armée, on ne voyage pas la foire. La foire, j'ai travaillé tous ensemble pour faire avancer la foire. Avec l'armée, on ne fait rien. E promesse auridiru per chi caccia du begno. Mon père a fait partie des militants, des premiers militants de l'ARC. Il a donné les premiers cours d'histoire de la Corse, les premiers cours de langue corse de l'histoire de la Corse, pardon. Ça a été le premier, en 1972, avec deux autres professeurs. La lutte corse a été, la lutte de libération nationale récente, a été une lutte, de manière assez surprenante, qui s'est développée sur des thèmes écologiques. Les essais nucléaires dans la mine de l'Argente, là, dans les années 60, les bouts rouges dans les années 70. Mon père a participé au comité anti-bouts rouges, c'était le secrétaire, et quand il a fallu prendre les armes, mon père a pris les armes à Aléria. En 1975, j'avais 4 ans, mon père était au maquis. Je n'ai plus de souvenirs de cette époque-là, mais ça a dû très certainement peser sur ma conscience et sur mes actes. Et ça a été le début de ce qu'on a appelé la lutte armée en Corse, parce que c'était une opération armée à visage découvert. Et quelques mois plus tard, les petits mouvements clandestins qui existaient ont fusionné pour créer le FLNC, le Front de Libération Nationale de la Corse. J'ai été également prisonnier politique, parce que j'ai été arrêté par la DNAT, Division Nationale Antiterroriste, et j'ai été condamné par la cour d'assises spécialement composée de Paris pour des attentats du FLNC, qui est une organisation clandestine, et j'ai écopé d'une peine de 10 ans de prison. Et notre lutte armée a été une lutte profondément humaniste, avec en point de mire le respect de la vie humaine, souvent au détriment des militants nationalistes eux-mêmes qui allaient faire des attentats, car c'était important pour nous de ne pas faire de victimes innocentes. Ce n'est pas la terreur dans le peuple que nous avons voulu porter. Nous avons voulu porter des coups à l'État français. Nous n'avons jamais été en guerre contre le peuple ou les peuples de France. Nous avons été en guerre contre l'État français, et l'État français a été en guerre contre nous. Sans cette lutte armée, notre côte aurait été bétonnée, comme a été bétonnée la Côte d'Azur. Notre identité aurait été perdue, notre langue aurait été perdue. Nous avons obtenu des avancées, nous avons obtenu la création d'une université, nous avons réveillé les consciences en pratiquant cette lutte armée, et nous avons permis de convaincre les Corses sur beaucoup de sujets. Aujourd'hui, tous les sujets qui étaient les sujets phares du nationalisme, qui étaient défendus uniquement par les nationalistes, eh bien, sont des sujets qui sont défendus par l'ensemble des Corses, pour la défense de la langue, de l'identité, du peuple, pour beaucoup de choses. Et la lutte armée a été indispensable pour arriver à cela. Je m'appelle Marie-Laure Ferrand, j'ai 49 ans. Je suis d'ici, de cette région. Je suis médecin urgentiste et j'ai 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Et je suis avec Alain Ferrand qui est en prison pour l'affaire du préfet Rignac. Là, actuellement, il reste 3 prisonniers politiques Corse, tous les autres ont été rapprochés ou libérés, et il en reste 3 dans les prisons françaises, en fait. C'est les 3 derniers du commando Irignac, donc Yvan Colonne, Alain Ferrand et Pierre Alessandri.
Bon, Yvan Colonne est rentré plus tard parce qu'il a été arrêté plus tard. Et Alain Ferrand et Pierre Alessandre devraient être libérés puisqu'ils ont fait 20 ans et que leur libération conditionnelle pouvait être effectuée à 18 ans. Même s'ils ont pris perpétuité, c'est la loi qu'à 18 ans, on peut demander une libération conditionnelle. Donc, en fait, ils peuvent aussi, ils auraient dû être rapprochés parce que le droit français dit qu'on doit être rapproché de sa famille. Bon, sa famille, elle le vit mal, évidemment, son fils notamment. Ils attendent depuis des années qu'il soit libéré. Et moi, en fait, c'est une espèce de routine de la prison, etc., des relations par téléphone qui sont un peu frustrantes, on va dire. On n'a pas de... Il y a toujours des frustrations, en fait. On est toujours bridé par ou une heure ou un parloir ou le téléphone qu'on peut pas, on peut pas appeler à n'importe quelle heure, on peut pas se voir. C'était un peu, voilà, c'est une relation pleine de frustration, on va dire. On peut se poser la question. Tous les mouvements identitaires en Europe ont abandonné la lutte armée quasiment, mais comme les revendications n'aboutissent pas, que ce soit au Pays Basque en Corse, par exemple, où les nationalistes sont au pouvoir, mais ils sont dans une impasse, puisque aucune de leurs revendications n'aboutit. On peut se poser la question d'une éventuelle radicalisation de la jeunesse. Voilà, l'avenir le dira, je ne sais pas, parce que, voilà, je ne sais pas du tout comment ça va se passer dans l'avenir. Moi, à l'époque des attentats, j'étais petite. Ça m'a assez traumatisée parce que toutes les nuits, il y avait des plasticages et je ne comprenais pas très bien. Mais c'est vrai que l'assassinat du préfet a été, je pense, le paroxysme des attentats. C'est vrai que ça fait partie de l'histoire de la Corse. Maintenant, je pense que déjà, d'avoir porté les nationalistes au pouvoir a été un grand pas en avant. Parce que pour des personnes qui sont contre la France et qui sont contre l'État français, ils sont quand même élus de la République, quoi qu'ils en disent. Ce sont des élus de la République. L'autonomie da passo da punto finale sarà i corsi che decideranno più tardi pauso a bene. Però noi da rappresentanti politici siamo stati eletti per mettere in ballo su programma qui e sa discussione qui con il governo francese. Da qui a 10 anni, 20 anni, 30 anni, se i corsi vogliono andare verso un passo più in là, andremo verso più un passo più in là, se i corsi ci dicono politicamente ciò cioè firma a suo punto qui, e beh, domanderanno ai suoi rappresentanti politici. Allora per me oggi a Corsica, come le oggi, è difficile essere indipendente, perché per me oggi non è mica pronta. Ma un paese si costruisce e oggi penso che, spero, che da qui a 10 anni, 20 anni, avanzeremo. Già sarà bello di avanzare verso l'autonomia, di mantenere la nostra lingua, perché per sa lingua, per suo popolo.